leader à la permanence du Parti démocratique sénégalais. Le ballet des leaders et militants a déjà démarré avec un bon moral. Mais une très bonne ambiance, une ambiance bon enfant, une ambiance teintée de forte conviction et d'optimisme et de confiance dans cette bataille qui nous oppose à plusieurs listes pour le contrôle de l'Assemblée nationale et pour ne pas dire le contrôle de l'exécutif avec une majorité parlementaire confortable. 11h, nous nous sommes rendus au quartier général de la coalition Benno Bokk-Yakar. Quelques militants trouvés devant le portail nous confient que l'ambiance n'est pas encore au rendez-vous. L'ambiance n'est pas encore de mise, mais c'est tout simplement dû au fait que nous sommes au début de la campagne et qu'en général, en période de campagne électorale, ce sont les deux dernières semaines qui sont décisives. Chacun des deux camps a déjà peaufiné sa stratégie pour mener une campagne électorale réussie. Au niveau des libéraux, ils se sont organisés en cohorte. Nous sommes organisés en cohorte avec un noyau dur. Aujourd'hui, le premier groupe va partir dans une heure de temps de Dakar pour aller à Kébémer, aller à Louga, à Pâle, à Ngourane et à Saint-Louis, Dagana, Podor, enfin Richard Toll, Podor, Airela ou Nyoum, faire la région de Matam et la région de Tambacounda et revenir à Dakar. Et après, un deuxième groupe, toujours accompagnant la tête de liste et les responsables des femmes et des jeunes également va faire le reste. À Benno Bokk-Yakar, des leaders de grands partis s'y retrouvent. Chacun mènera campagne dans son fief, en plus de la tête de liste Moustapha Niass, qui va sillonner le territoire national. Il y a des dispositions qui ont été prises, parmi lesquelles d'abord il y a la reconduction du comité électoral national qui avait été élaboré au niveau du second tour de la présidentielle. Et qu'aujourd'hui, les leaders de Benno Bokk-Yakar se sont partagés les régions du Sénégal en fonction des fiefs de chacun. Et que donc cela va nous permettre d'abord de maximiser nos forces et en tout cas d'avoir une utilisation rationnelle de ces forces-là. Et que la tête de liste nationale, M. Moustapha Niass, va pouvoir sillonner tout le Sénégal. Mais en plus de ça, il sera appuyé par les leaders des autres partis au niveau de leur localité. La violence s'est souvent invitée lors des différentes campagnes électorales. Les deux camps rassurent que toutes les dispositions sont prises afin que la campagne de ces législatives se déroule paisiblement. Merci Gorky Samandiaï. Les Sénégalais tressent le profil du nouveau type de député qu'ils souhaiteraient voir à l'Assemblée nationale au lendemain des élections législatives. Plus d'engagement du côté des populations, meilleure imprégnation des dossiers et moins de polémiques à l'hémicycle. Voilà quelques qualités qui feront un bon député selon la plupart de nos compatriotes rencontrés par Sida Idara. Reportage. La campagne électorale entamée ce 10 juin, les différents candidats partent à la conquête des voix susceptibles de leur apporter le maximum de sièges à l'Assemblée nationale. À la question à savoir quel est le rôle du député, les Sénégalais ont divers avis. Le député, son rôle c'est être aux besoins de sa localité, et de les satisfaire, et de les représenter dignement à l'Assemblée nationale. Non, personnellement, non. Je ne connais pas le rôle des députés au Sénégal. Pour ma part, je ne connais pas le rôle des députés au Sénégal. Si le rôle principal du député est de voter la loi, mais aussi de contrôler le gouvernement, les Sénégalais n'attestent pas cela de leurs députés. Ils trouvent plutôt que ces derniers sont là pour leurs propres intérêts et aussi satisfaire leurs leaders politiques. Parce que nous pour ma part, je ne vois même pas à quoi ils servent parce qu'il y a tellement de problèmes au Sénégal. Vraiment, le député, ça ne sert à rien. Les députés ne nous servent à rien. On a tellement de problèmes. Moi, par exemple, ça fait 7 ans que je vis dans ce quartier. Nous sommes inondés d'eau d'égout, mais rien n'a été réglé. C'est comme si nous n'avions pas de députés dans notre secteur. Un député doit être alphabétisé parce qu'à l'Assemblée, on vote des projets de loi. Et je ne vois pas comment une personne qui ne sait ni lire ni écrire peut voter un projet de loi.
Si la fonction de député se veut noble, le travail de ces derniers n'est pas très apprécié des Sénégalais. Les Sénégalais demandent que les parlementaires soient plus réceptifs quant à leurs problèmes pour mieux les représenter à l'Assemblée nationale.